Hey, Matelot ici d'Effroi pour aujourd'hui vous présenter une petite maison moderne sur Minecraft que vous voyez présentement. C'est vrai que ces derniers temps j'avais fait que des très très grosses maisons modernes en bois et autres hein, qui font 2, 3, 4 heures des fois de tuto tellement c'était grande. Donc j'avais envie de revenir à des choses beaucoup plus petites et ma foi fort sympathique aussi évidemment. Regardez-moi ça. Voilà, on va faire cette maison en tuto aujourd'hui. Et puis voilà. Donc on se retrouve sur la flat map et je vais vous montrer tout de suite le nombre de blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette maison. Hop. Youp. Ok, alors on va commencer par faire le pattern de la maison, ok. Je vous invite à prendre le quartz lisse et à faire un pilier ici de 5 blocs de hauteur, ok. À partir de ce bloc là donc à côté, jusqu'à ce bloc là, on a 13 blocs de quartz en ligne, d'accord. Ici, à partir du bloc du dessus, on en met 4, comme ça. Et à partir de ce bloc-là, à côté, jusqu'ici, on en a 15. Ok? Donc, tac, 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 tac. On va prendre le coin à ce niveau-là. On va compter 1, 2, 3 blocs. En dessous, on met une planche de sapin. Hop, jusqu'au sol, comme ça. Ici, c'est une ligne de 5 blocs de planche de sapin. Et pareil, hop, un pilier en dessous, ici. On va prendre l'andésite poli du coup maintenant, on va reprendre notre pilier de base, on laisse deux blocs ici comme ça et on fait une ligne de 4. Et à partir de là, on fait un pilier de 11, 11 blocs de hauteur. Et normalement, vous êtes à deux blocs au-dessus des parties en quartz ici. Vous refaites 4 blocs ici pour avoir une forme comme ça. Puis après, à ce niveau-là, deux blocs en dessous de la hauteur, vous faites 4 blocs de quartz. Ok. Une fois qu'on a ça, on va venir reprendre les planches de sapin, on va venir mettre hop, une petite couche par-dessus, même au niveau du bas aussi. La même chose avec l'andésite, hop, paf, 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 on met toute une couche supplémentaire, comme ça. Ok, je crois que c'est 10 blocs maintenant. Youp. Youp, voilà, donc 10 blocs de largeur maintenant, c'est-à-dire que toute la partie en quartz qu'on a fait ici, hein, vous voyez, la même là-bas, la partie en quartz, on va l'étaler sur 10 blocs de profondeur. Donc ça nous fait 1 bloc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, d'accord. Et pareil, hop, comme ça sur toute la partie en quartz. Hop, donc vous voyez ce que ça donne. Hein. On va faire la même chose avec la partie en andésite. D'accord, sauf qu'on va la faire prolonger sur 12 blocs de longueur. Donc, lorsqu'on aura fini de la prolonger, elle sera un bloc par devant la partie en quartz. Vers l'arrière, du coup. Hop, comme ça. Youp. Voilà ce que ça donne, du coup, pour l'instant. Alors, une fois qu'on a ça, eh bien, vous l'aurez compris, on va utiliser la partie en planche de sapin, comme ça, hein, cette forme-là, et on va la prolonger sur 10 blocs de profondeur au total. Donc là, on a déjà 2 blocs, donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, et donc, on arrive, voilà, un bloc derrière la partie en quartz. Tac, 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 tac. Hop. On va juste laisser une ouverture, je crois que c'est ici, je vais regarder vite fait sur mon modèle. Alors, non, j'avais laissé 3 blocs. Ouais, c'est ça, 3 blocs à partir du bord du mur. Donc là, j'ai laissé que 2 blocs, paf, paf, paf. Voilà, on compte 3 blocs à partir du bord ici et on fait un trou pour une porte. Hop, ici, tac, 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 tac. On fait ça comme ça. Et ici, pareil, une porte de l'autre côté aussi. Ici, comme ça. Donc voilà, on est quand même... on est plutôt bien. Maintenant, je vous invite à prendre le verre noir. Et on va aller sur le côté de la maison ici.
On va venir prendre le coin, on va compter 1, 2 et 3 blocs, on pose notre premier bloc de vert noir. On en met une ligne de 4 blocs, comme ça. Ici, on en met 2 sur le côté, on laisse 2 trous pour la porte, re 2 encore, et puis jusqu'au mur. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir monter les murs comme ça de vitres noires jusqu'à 7 blocs de hauteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, très bien. Tac, tac, tac. Voilà, comme ça. Voilà, 2-3 blocs de hauteur, la porte, hein, et qui sont alignés avec les autres portes en face, bien sûr. On va utiliser les vitres du coup, on va mettre directement les vitres au niveau du haut des portes, comme ça. Hop, et tant qu'à faire dans les fenêtres aussi, parce que, après tout. Hop. Hop, et hop. Ok. On va mettre les escaliers maintenant quand même. On prend les escaliers en quartz, et on les met juste à côté du mur ici. Voilà, hop, jusqu'en haut. On reprend les blocs de quartz, on les met comme ça. On va venir prendre du coup les planches de sapin et on les met ici. Vous voyez, prenez le coin ici, prenez le bloc en diagonale, on en met 2, puis 1, 2, 3, 4 comme ça. Ici, on laisse un bloc par rapport au bord et on en met juste 2 comme ça. Et on met ça jusqu'au plafond pour faire les murs. Hop, hop, hop. Ok, donc maintenant le reste va nous servir à faire une grande fenêtre finalement. Donc tout ici, là, hop, va être une grande fenêtre. On va mettre du vert partout, ok. Et de la même chose de l'autre côté. Youp. Non, vas-y, voilà. Voilà, la même chose de l'autre côté. Hop, très bien. On en met une ici aussi, hein, une barrière pour pas tomber, de sécurité du coup. Et là, on va faire un petit... Hop. Voilà, on va enlever cette partie-là, et on va juste creuser dans le sol. Alors là, pour le coup, on va le faire que très très peu finalement, mais l'idée c'est que vous pouvez avoir une cave, une mine sur Minecraft ou n'importe quoi finalement, un sous-sol ou autre. J'ai fait que l'entrée, vous voyez, l'escalier pour pouvoir accéder à une cave ou autre, mais je ne l'ai pas fait moi-même. Donc voilà, vous avez l'accès vers un métro, une cave, une grotte, une ce que vous voulez, une mine. Et on va du coup maintenant passer à la partie au plein milieu ici, c'est-à-dire là au parking en fait, tout simplement. Donc je vous invite à prendre les blocs de charbon de bois. Et alors je vais compter juste le nombre de blocs. Voilà, on va faire de 9 blocs par devant. Donc, vous prenez toute la largeur ici et on creuse un trou, mettons de 2 blocs. Ici sur l'arrière de la maison, ici comme ça, et sur le devant, on va le faire de 9 blocs, on va dire, et voilà. Et donc, ben, on remplit tout ça de charbon, de bois, de blocs de charbon. Hop, voilà. Alors, on va directement faire le sol ici aussi de cette pièce-là, de ces pièces-là finalement. On va enlever le sol et on va mettre des planches de chêne à la place, ok. Donc on enlève ça vite fait et des planches de chêne ici comme ça, voyez. Hop, voilà. Alors on va devant la maison comme ça, devant notre escalier, et on va creuser un petit passage ici comme ça. 1, 2, 3, 4, hop, comme ça, d'accord. Et on va utiliser du gravier que l'on va mettre comme ça, un peu en damier, voyez. Et l'autre partie, on va la mettre en andésite poli, comme ça. Pour faire un truc un peu joli. On va utiliser les vitres, tiens, tant qu'à faire, parce qu'on n'a pas encore mis les vitres dans la grande partie ici. Alors, au niveau du bas, ici, on va rajouter 2 blocs d'andésite ici, ainsi qu'au niveau du haut, pareil. La même chose de l'autre côté, bien sûr. Hop. Et on va rajouter des vitres ben, en plein milieu, là où il y a la grande fenêtre, hop. Ok. La même chose de l'autre côté, bien sûr. Alors, ici, sur le côté, on va utiliser des barrières en sapin. On va utiliser des plaques de pression en bois, si je les trouve, voilà.
ainsi que du podzol. Hop. Alors mon pack de textures, c'est le pack de textures Faceful, pour ceux qui veulent avoir des textures un peu mieux. Alors, on va utiliser les plaques de pression en chaîne comme ça. On va venir ici, ok, les poser sur 6-7 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Là, jusqu'au bout là-bas, et la même chose ici, comme ça, ok. Maintenant que vous avez ça, tout l'intérieur ici de vos... Hop. Tout l'intérieur ici, on va le mettre en podzol. Hop. Hop. Alors, une fois qu'on a ça, on va venir prendre les barrières en sapin et on va venir ici. En placer une ici. Hop. Voilà. Donc on va en placer 3 avec 3 blocs d'écart entre chaque. D'accord, et on va mettre les barrières comme ça, évidemment, jusqu'au sol. Hop, pour faire un peu des piliers, si j'arrive à viser. Hop, voilà. Ah, je me suis trompé d'un bloc. Paf, on le met un bloc sur le côté pour que ça tombe sur le podzol quand même. Et une fois qu'on a ça, on va venir... ici à l'arrière, non, on va faire sur deux blocs ici comme ça. On va compter 1, 2, 3, 4 blocs par rapport au mur. On va faire 4 blocs de trous et sur 4 blocs de haut, comme ça, d'accord, pour avoir une grande, grande fenêtre. Je n'ai pas de verre, voilà. On va mettre de la vitre là-dedans. Ok, on va venir mettre... quelques petites fleurs, genre des rosiers par exemple, ainsi que des herbes plus classiques. Voilà, de l'herbe. Et on va venir en mettre un peu partout. Hop, ici sur notre petit jardinet finalement. Des rosiers, hop, à côté de la maison. Hop, et puis voilà. Alors, maintenant, on va faire à partir d'ici... un trou comme ça dans la maison. On va enlever aussi cette partie là et on va mettre un petit plancher, oula, petit plancher comme ça, et des escaliers aussi en quartz comme ça pour pouvoir accéder à cette partie de la maison. Et tant qu'à faire, des escaliers à l'envers aussi pour que ce soit plus joli. Ok, on va maintenant sur le toit avec les capteurs de lumière et on va se mettre ici. Ok, on va compter 1, 2 et 3 blocs et on va placer notre premier capteur. La même chose de l'autre côté, paf. Ok, et donc on va mettre tout un espèce de tapis de capteurs de lumière comme ça sur 11 blocs de long. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. D'accord, et on va remplir toute cette zone. Hop, comme ça, jusque là-bas. Hop. Une fois qu'on a ça, on va aussi les mettre en version nuit, comme ça, vous voyez, en version bleue, parce que ça ressemble plus à des panneaux solaires, comme ça. Ok ? Hop. On peut prendre aussi des feuilles d'azalée pour les mettre ici sur le bord du toit, hop, un peu comme ça, par exemple, hein, et les faire tomber un peu sur le côté. Ça donne un côté sympa. Hop, et du coup on va vraiment faire les finitions, donc je vous invite à prendre des pierres lumineuses et venir sur le côté de la route ici. On va venir ici là, hop, ok, et tous les deux blocs, on va creuser de deux blocs dans le sol, et on va y mettre des pierres lumineuses. Hop, pour une fois elles serviront à quelque chose. Hop, on met des blocs de verre au-dessus, et puis voilà, ça nous fait quelque chose de joli. On va prendre... les barrières en chaîne noire, on va venir sur notre espèce de petit jardin ici, et on va venir par exemple ici comme ça, faire peut-être même plus ici d'ailleurs, mettre deux petites barrières l'une par sur l'autre, et des feuilles d'azalée encore par-dessus, sur trois blocs, et comme ça, ça nous fait des petits arbustes tout jolis, tout pleins, finalement. Voilà! Eh ben, j'espère que ça vous aura plu finalement, une toute petite maison fort sympathique. Je vais en faire plusieurs sur la chaîne d'affilée, hein, parce que c'est bien. Et puis je vais essayer de faire une vidéo par jour aussi pendant le mois de juin. Donc, eh bien voilà, on va voir ce que ça va donner.
Merci à tous, très bon jeu, bon vent matelot, et à la prochaine.